Bonjour à tous. Contrairement aux idées reçues, le galop est une allure plus confortable et moins déstabilisante que le pro. Nous allons voir aujourd'hui quelques petites astuces pour débuter le galop sereinement. Avant tout, commence sur un cheval bien dressé, cadencé et choisis un espace clos. Ajuste tes étriers au-dessus de la malléole et munis-toi d'un collier ou d'une étrivière, que tu passeras autour de l'encolure de ton cheval. Une fois à cheval, regarde loin devant toi, mets tes épaules légèrement vers l'avant pour alléger l'assiette. Les fesses toujours au contact avec la selle. Que tu partes au galop, au pas ou au trot, pose tes mains sur le collier auquel tu pourras te raccrocher si tu perds l'équilibre. Veille à mettre du poids dans tes talons. Cela te permettra de mieux amortir l'amplitude du galop. En effet, au galop, l'amplitude verticale est importante, mais le rythme est beaucoup plus lent qu'au trot. Le problème posé au cavalier concerne plus l'amortissement que le rythme. Une fois installé au galop, regarde devant toi en prenant bien appui sur tes pieds. Respire profondément et savoure. Prépare-toi avant de demander à ton cheval de ralentir. Il va passer automatiquement par le trot, ce qui va avoir pour conséquence de faire partir tes épaules en avant et te secouer. Il te faut alors anticiper cette transition en avançant tes pieds et en redressant ton buste. En résumé, pense à bien appuyer sur tes pieds, à regarder loin devant toi, respire et régale-toi. Si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi à notre chaîne et pour découvrir l'équitation à l'UCPA, clique sur le lien dans la description.